Bonjour, c'est Malek pour le 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, je suis au lycée Paul Cornu, à Lisieux, au cœur de notre belle Normandie. Pourquoi ? Parce que c'est un lycée qui a été retenu pour une expérimentation, lycée du futur. Nous allons découvrir ensemble cette nouvelle façon de fonctionner, à la rencontre de la section usinage et d'une professeure de français. Allez, c'est parti. Bonjour Sophie, avec lycée du futur, comment vous faites pour enseigner ? Bonjour, comment on fait pour enseigner C'est une excellente question. Alors nous, on a choisi une manière un peu différente d'enseigner, puisque on mélange plusieurs niveaux et on mélange aussi les matières. C'est-à-dire que des fois, moi, quand je viens sur le plateau, il n'y a aucun élève qui fait du français. Donc à moi d'aller vérifier s'ils ont avancé dans leur module, puisqu'on travaille en module. Donc un module, c'est quoi? C'est un gros bloc où on met du français, de l'usinage, de la construction des maths pour que ça fasse sens, en fait, pour les élèves. Donc on enseigne un petit peu différemment. L'objectif, c'est d'avancer au rythme de l'élève. Voilà, c'est vraiment ça notre objectif. Après, on s'amuse avec la zone aussi qu'on a ici, qui nous offre des possibilités autres qu'une salle de classe traditionnelle. D'accord, ça permet plus d'autonomie, plus de... Alors, l'objectif, c'est ça, c'est l'autonomie. Maintenant, c'est le gros point difficile pour l'instant. C'est-à-dire que nos élèves ne sont pas autonomes. Si on n'est pas derrière eux, ils ont du mal à avancer tout seuls. Mais c'est l'objectif, les rendre autonomes. Alors maintenant, on va aller voir les élèves pour leur demander concrètement qu'est-ce que ça veut dire, lycée du futur. Bonjour. Alors, concrètement pour vous, lycée du futur, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler? Pour les ateliers, les salles de classe? C'est une autre façon de travailler comme dans des lycées classiques. C'est 10 fois mieux que rester assis à une chaise, à attendre que le prof parle et d'écrire des cours. Là, vraiment, on fait les cours, on les fait ensemble dans des modules. Après, sur les machines, c'est vrai que on a tout le temps un prof à disposition pour nous pouvoir nous aider, même dans la zone aussi. Ce qui nous permet de mieux avancer, même avec les autres. Il y a une bonne entente, c'est ce qui nous permet de mieux travailler. Merci beaucoup. De rien. On vient de faire un tour de la section usinage avec des élèves, des profs, et surtout, une nouvelle façon d'apprendre. Ça te parle ? Ça se passe au lycée Paul Cornu à Lisieux, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer. C'était Malek pour 1626 Média. Allez, ciao! Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.